Monsieur le Président, les conservateurs ont dépensé tout près de 800 000 $ pour lutter contre les anciens combattants représentés par Denis Manouche. La situation des retraités de GRC est analogue. Eux aussi ont dû renoncer à une partie de leur pension. Les conservateurs ont-ils l'intention de gaspiller temps et argent pour traîner les anciens de la GRC devant les tribunaux? Ou bien vont-ils faire ce qui s'impose et les inclure dans les discussions qui ont lieu actuellement dans ce dossier? L'honorable ministre des Affaires Commerciales. Monsieur le Président, c'est très clair. De ce côté-ci, comme vous le savez, on maintient l'ensemble des bénéfices aux vétérans et on accompagne la décision du ministre de la Défense de faire en sorte que ceux qui ont été pénalisés ne le soient pas, autant les militaires que les anciens combattants. Alors, Monsieur le Président, on va continuer à s'assurer que nos anciens combattants aient droit à tous les programmes aux services auxquels ils ont besoin et dont ils méritent pleinement. Merci beaucoup. The honorable member for Marquette.